L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. Mardi 28 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition en direct du journal de la rédaction ce matin, 7h15, très bon éveil à toutes et à tous. Avant toute chose, vous le savez, vos prévisions météo du jour et encore du soleil, du ciel bleu aujourd'hui, une belle ambiance printanière, même si les nuages seront quand même un peu plus nombreux. Le soleil dominera cette journée et de sérieux passages nuageux sont tout de même annoncés au fur et à mesure de l'après-midi, peut-être même quelques averses possibles dans la soirée. Les températures restent bien au-dessus des normales de saison, avec 17 degrés prévus pour aujourd'hui. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. Sur les routes, l'image de l'agglomération en temps réel ce mardi matin. Et attention à cet accident sur la D700 entre Villeneuve-d'Ascq-Cousinerie et M-Roubaix. Soyez prudents dans le secteur. Ailleurs, sur l'A25 et la RN41 depuis la Flandre et les Web, ce sont les ralentissements habituels que l'on a à l'ouest de la métropole lilloise, au sud-est également sur l'A1 et l'A23. L'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. L'image à la une de l'actualité, tout d'abord, c'est l'hommage de la ville de Lille à Alain Decaux. L'académicien originaire de la capitale des Flandres est mort le 27 mars 2016, il y a donc tout juste un an. À cette occasion, la ville a dévoilé hier une plaque commémorative sur la façade de l'immeuble Runkermann, près du Palais des Beaux-Arts, là où est né Alain Decaux en 1925. Martine Aubry et les élus municipaux ainsi que la famille se sont ensuite rendus à l'hospice Comtesse dans le Vieux-Lille pour découvrir l'exposition consacrée à l'académicien. Ses proches ont fait don de son habit d'académicien, de son épée et d'objets personnels à la ville de Lille pour que sa mémoire perdure. Martine Aubry a notamment salué sa générosité, son talent et sa passion. Je vous propose de l'écouter au micro de Clotilde Le Guébac. Alain Decaux, je crois que tous les Français les connaissaient, parce que c'est quelqu'un qui a rendu l'histoire accessible à tous. Parce qu'il avait une façon de parler, comme s'il vous racontait un roman épique ou une histoire, comme on pourrait le dire aujourd'hui, absolument hallucinante. Il aimait les gens, c'était un homme généreux. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un homme d'une douceur incroyable et d'une très grande générosité. Voilà, donc lui rendre hommage, c'est rendre hommage peut-être à ce qui manque un peu trop à la France aujourd'hui, le sens de la vérité. L'info en bref, à Lille, un enseignant visé par une plainte pour des faits à caractère sexuel. Un instituteur de l'école La Fontaine dans le quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin a été suspendu il y a déjà une semaine pour des soupçons d'exhibition devant les enfants de maternelle. Une enquête a été ouverte par la Sûreté urbaine de Lille. Et puis à Roubaix, un chirurgien de l'hôpital Victor Provost soupçonné lui de violence envers ses collègues et les patients. Au moins une vingtaine de témoignages ont été déjà recueillis pour des faits de violence verbale et physique. Ce médecin a été suspendu depuis début janvier et fait l'objet aujourd'hui d'une enquête du Conseil de l'Ordre. Dans ce journal, et également on évoque quelques réussites récentes pour Pictanovo, l'organisme de production audiovisuelle de la région, choisi pour organiser un festival international des séries télé en 2018 et le Festival européen de l'animation et du jeu vidéo, les Emmy Awards, en décembre prochain. L'occasion de rappeler que le budget de Pictanovo vient d'être renforcé avec 7,5 millions d'euros en 2017 pour soutenir les productions cinématographiques et audiovisuelles, génératrices d'emplois dans la région, près de 5000 embauches entre 2004 et 2013. La région possède de nombreux lieux appréciés des réalisateurs et des moyens humains et techniques compétents. Pour info, Pictanovo ne reçoit pas de subvention de la région, mais encaisse les retours sur investissement lors de succès de ses productions. Présentation en détail au micro d'Edil Gunaï. On a au total près de 800 techniciens qui travaillent en région, 300 comédiens et aussi 2000 décors qui sont proposés dans un catalogue assez complet. On en avait 1500 il y a quelques mois. Avec la grande région des Hauts-de-France, c'est un catalogue qui élargit encore les possibilités. Et c'est vrai qu'on est une région qui facilite le travail des réalisateurs, une région qui montre sa capacité d'accueil des nouveaux projets. Et c'est vrai qu'on est aussi une région de formation et que donc on a beaucoup de jeunes qui se forment sur les tournages et qui deviennent après des professionnels aguerris qui décident aussi de choisir les Hauts-de-France pour se développer. Dans le reste de ce journal, également en direct, 7h19 ce matin sur Grand Lille TV, le grand angle de la rédaction consacré à la 16e édition des fenêtres qui parlent. Et jusqu'à dimanche encore, les habitants de la métropole lilloise peuvent découvrir ces fenêtres transformées en cadre d'œuvres d'art. De Halluin à Lomme, Villeneuve-d'Ascq, Roubaix ou à Lille, plus de 1500 habitants auraient joué le jeu cette année en exposant leurs peintures, sculptures ou photos. Joël Warneau et Alexis Tessier se sont rendus à Lomme, à Humanicité, dans un quartier où les fenêtres s'ouvrent vers les autres. Un reportage de l'ESJ Paris Grand Lille.
Des fenêtres en guise de cadre. C'est le principe de l'action culturelle Les Fenêtres qui parlent. Et ici, à l'Homme, dans le quartier Humanicité, des portraits des résidents sont à la vue de tous. Il n'y en a pas moins de 200, tous réalisés par Xavier Renoux. C'est la troisième fois que ce photographe professionnel de l'Homme participe à l'initiative. Pour lui, la photographie amène de la vie au quartier, avec le souhait de provoquer des rencontres. Ça reste juste une image, on n'a pas l'histoire des gens. Mais voilà, c'est quelque chose qui est visuel, qui frappe tout de suite. Et voilà, chacun les regarde à sa façon, à son rythme. On peut espérer que peut-être des gens en reconnaîtront d'autres et puis oseront aller les aborder, discuter avec eux. À chaque fenêtre, son portrait, des travailleurs, des résidents, des familles. Grâce aux photos, on découvre toute la diversité du quartier. Pour les organisateurs du projet à l'Homme, l'objectif est d'offrir une meilleure image du quartier, mais aussi de créer du lien. Permettre une rencontre entre des artistes et des habitants, mais au-delà de ça, c'est aussi à travers les différents événements qu'il y a autour des fenêtres qui parlent, qu'il y ait des temps d'échange, alors entre habitants, entre artistes, puis après imaginer son habitation comme le lieu d'exposition, c'est aussi déjà une démarche particulière. Transformer un moment l'espace public pour qu'il soit autre que tout simplement une rue passante. Au total, ce sont les fenêtres de 17 quartiers de la métropole lilloise qui parlent. Humanicité a opté pour la photographie, mais dans d'autres rues, on y découvre peinture, sculpture et autres œuvres d'art, dans un seul objectif, l'ouverture culturelle. Et tout le programme de cette 16e édition des Fenêtres qui parlent sur le site internet dédié fenêtresquiparlent.org. Ça dure jusqu'à ce dimanche 2 avril, 7h22 ce matin, en direct sur Grand Lille TV. L'info en continu. Dans une poignée de secondes, vos prévisions météo du jour avec du soleil encore aujourd'hui. Quelques nuages quand même en plus pour cet après-midi et les températures toujours aussi douces. On fait le point dans moins d'une minute.